Je ressemble à quelqu'un qui n'est pas en forme. Regardez-moi. Je vais bien. Je vais bien. J'ai beaucoup de messages pour vous. Bon, quand vous me forcez à enseigner là, ne me demandez pas si je vais bien, je vais bien. La bonté me connaît. Que nous sommes sans. On a forcé le message ici sur moi. Je vais vous parler vraiment, vraiment au pif, quoi. Oui. Ta richesse ne dépend pas de tes efforts. Tu es resté dans un trou où toi-même tu pensais que tu avais besoin d'être. Je n'ai pas besoin de vous, vous n'avez pas besoin de moi. Vos commentaires, j'en ai même pas besoin. Maintenant, à chaque fois qu'on va se rencontrer ici, je veux que ce soit comme quand tu fais l'amour, que ce soit un plaisir. La première chose que tu dois faire, il y a des personnes dans ton entourage que tu dois arrêter de côtoyer. Bloque-les. You don't need them. T'as pas besoin d'eux. Beaucoup de personnes profitent de ta vibration. Est-ce que tu sais ce que tu portes? Je veux pas le mot aide. Je ne suis pas là pour aider quelqu'un. Je fais rien pour vous. Je ne suis pas Jésus. Il est mort aujourd'hui, non? C'est ça? Aide-moi. Non, non, non. Je continue. Il y a des personnes qui sont à côté de toi parce qu'elles profitent de ton énergie. C'est pas tout le monde qui mérite que tu pries pour lui. Est-ce que tu sais ça? Lumière sur vous, paix sur vous. Je veux prier pour mon mari. Je veux que mon mari sorte de Tessie, qu'il arrête de boire. Mais bébé, laisse-le boire. S'il veut boire, mais laisse-le boire, chérie. Il y a des personnes à côté de vous qui comptent sur vous. Si mon argent finit, elle va me donner sa part. Seulement le fait que tu te couches à côté de lui dans la nuit. Oh bébé, il profite de ta vibration. Il y en a parmi vous, vous devez voyager. Tu laisses ton mari, tu voyages même pour 2 mois. Ta peau va redevenir bien. Tu vas maigrir. Tu vas dormir. Prisonnière, oh, prisonnière que vous êtes. Bonjour, ma rose aimée, que tu es jolie. Je t'envoie plein de lumière. Je t'envoie des fleurs. Je t'envoie de la lumière pure. Libérez
ne cherchez plus à sauver quelqu'un. Bonjour, petit oiseau. S'il y a quelqu'un sur cette terre que si tu meurs, la personne va entrer dans le cercueil avec toi. On l'enterre. C'est la seule personne qui mérite que tu t'occupes de lui énergétiquement. Voilà ton test. Je m'inquiète pour lui. Je m'inquiète pour elle. Si je meurs aujourd'hui, est-ce qu'on va l'enterrer avec moi? Vous avez qui dans votre entourage qu'on enterrerait avec vous? Qui? Allez, dites-moi. Je vous envoie de la lumière. Ne me suppliez pas pour quelque chose. Mendiant spirituel, prie pour moi. Ne m'expliquez pas vos problèmes. J'en ai rien à foutre de vos problèmes. Je m'en fous de vos problèmes. Tous les jours. Inquiet. Aidez-moi. Hey. Même dans 50 000 ans, vous serez toujours en train de bégayer. Il y a des gens que vous êtes mendiants pour toujours éternellement. Je ne fais plus les consultations. Je ne fais plus les lectures de cartes. Quand je me pointe, je donne le message. Le jour où tu tombes sur ça, c'était ton message. Si tu veux faire l'offrande, tu fais. Tu ne veux pas faire, garde ton argent. Tu veux payer ta dîme, tu payes. Tu veux pas payer, tu ne payes pas. Et même si tu payes ta dîme, ne me dis pas que tu as payé. Don't tell me. Oh, ils sont là. Ils sont là. Ils sont chez vous. Ils sont chez vous. J'ai plein de messages pour vous. Attendez, je les ai notés. J'avais pas envie de faire le direct. Moi, je vous ai dit. J'ai dit que si on fait 100 personnes sur TikTok, je vais faire le, je vais parler. J'espérais que la connexion me lâche. Et tout le monde dit que je t'entends, je t'entends. Je ne voulais pas, j'étais trop heureuse. J'ai dit que je suis heureuse, je ne veux pas que les gens la gâtent ma joie. Ma mère m'a accouché pour moi. Ma mère m'a accouché pour moi, pas pour vous. Vous suivez? Répète dans ton cœur, ma mère m'a accouché pour moi. Quand ils m'ont montré à quel point mon entourage me suçait, I was like, come on, I want to be selfish. Oh, je m'en fous de vos problèmes. On va voir si Dieu va me tuer parce que je m'en fous de vos problèmes. Alors, on va voir. Ma reine, mon mari doit se convertir. Mon mari doit... Mais bébé, on s'en fout de ton mari. Hein? Oh! Pour la Pâque, c'est là. Hein? Tu vas aller quelque part, tu vas acheter un bon truc. Tu vas t'asseoir, tu vas manger. Oh, kono. Oh, you know. Tu manges, ça entre dans ton corps. Tu sens comment ça peut rester dans ton derrière, ou bien dans tes joues, ou bien dans tes seins. Tu me suis? Voilà, les voilà. Mon mari m'a laissé, gna 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 gna. Chérie, j'en ai rien à foutre de toi et de ton mari. Tu comprends, ma chérie? J'en ai rien à foutre. Il t'a abandonné et puis quoi? Tu veux que je danse? Arrêtez de chercher à mettre vos problèmes sur les gens. Je vous dis que ma prescription pour vous, je ne vous prêche pas que Jésus est ressuscité, Jésus est ceci. Nique, rien. Parce que même l'église, vous... ce matin, je suis restée, j'ai vu quand on fait les chansons d'adoration. Tu te laves avec le sel, ça te gratte. Avec ta grosse tête. Hey! Ah!
Je ne veux plus les pauvres d'esprit sur ma page. Je ne veux plus les pauvres. Je ne veux plus. I don't want. Officiellement, je chasse votre énergie. Je m'en fous de vos problèmes. Je m'en fous de vos problèmes. Vous ne pouvez jamais venir mettre une bonne nouvelle ici. Et ils m'ont montré ceci. Depuis qu'on est petit, partout où on se tourne, on fait quoi? On veut toujours aimer les gens, donner aux gens, donner, donner. Même à l'église, on ne te dit pas de t'aimer. A appris à tout donner, tout, il ne vous reste plus rien pour vous. Tapotez, si vous ne tapotez pas TikTok, coupe, je quitte. Vous savez que je ne voulais même pas faire le direct ici. Mon corps me plaisait trop, je dormais, je suis allée faire un truc au spa là-bas, j'étais trop contente, je ne voulais même pas venir faire le direct. Vous êtes habitué à toujours donner. Donner. Tu donnes aux enfants. Tu donnes à ton mari. Tu donnes au pasteur. Tu donnes même à Reine Lumière. Ne me donnez pas. Vous suivez, ne me donnez pas. Donne à toi-même. Ne me fais pas une offrande. Ce que tu voulais me donner là, hein, chéri, prends ça, tu peux acheter quelque chose qui est bon. Si c'est, moi, j'aime la glace de Paul. Va ça, tu vas t'acheter la glace de Paul là, c'est 2000. Une boule c'est 1000 francs, deux boules c'est. Non, une boule c'est 1500 à Libreville. Deux boules c'est 2000 ou c'est 3000. Hein? C'est les moyens financiers qui te manquent. Je te bloque, tu es pauvre. Tu dis d'aller t'offrir la glace de 1000 francs, tu dis que tu n'as pas les moyens financiers. En tête, je te bloque. Je ne veux pas les pauvres ici là. Je ne veux même pas lire les commentaires des pauvres. I don't want to read you guys. Je ne veux pas lire les pauvres. La vie, c'est de l'échange équivalent. On donne pour recevoir. William, je te bloque. Filmez ce que vous avez acheté pour vous. Vous envoyez inbox. Je vais poster sur ma page. Vous avez suivi. Vous comprenez. Hein? On nous a appris à tellement nous détester. On aime tout le monde sauf nous. Les gens ont trop profité de votre énergie. Hey! Hey! Même vous là, vous m'avez sucé. Ma reine, je veux ceci. Ma reine, je veux cela. Me voilà 2 heures sur le téléphone en train de vous aider. Mouf, avec vos grosses têtes. Hein? Après, vous ne me donnez même rien. Oh. Je sens qu'une autre moi est née. I feel so selfish. I feel so selfish. Je me sens tellement égoïste. Je me sens tellement égoïste. Je ne veux pas. Ne m'aimez pas. Ne m'aimez pas. Ne m'appréciez pas. Ne m'aimez pas, oh! Hein? Je m'aime. Regardez mes fossettes. Regardez mes dimples. Ça ressemble pas. Regardez! Oh! Je vous aime. Mais je m'aime d'abord. Tu rencontres un homme. Aujourd'hui, on m'a fait. Les chansons d'amour. Attendez, je vais prendre une chanson d'amour. Donnez-moi une chanson d'amour comme ça là.
Je vais vous prendre les mots, les lyriques de la chanson, vous allez voir. Au pif comme ça, donnez-moi une chanson. Oh, je l'aime à mourir. Aïe, 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 aïe. Non, l'autre là, ça va faire mal, hein. Ok, on va voir. All right. Let's skip this one. Ok, écoutons la chanson. On va changer les mots, on va les mettre pour nous, ok? Moi, je n'étais rien. Hey! Hey! Écoutons la chanson. Moi, je n'étais rien. Et voilà qu'aujourd'hui, je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Non, moi, j'étais quelque chose. Je suis tout. Je m'aime à mourir. Imagine, tu rencontres un... Dis ce soir à ton chéri que je suis heureuse. Il va croire que tu lui dis ça parce que c'est lui qui te rend heureuse. On t'a habitué à ce que ce soit l'autre que tu dépendes de l'autre. Continuons la chanson. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira. Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire. Je l'aime à mourir. Toutes les paroles, si. L'amour, c'est comme si tu prenais tout ce qu'il y a de meilleur en toi et tu donnes à l'autre personne. En espérant, ça vient avec ton argent, ton attention, tes conseils. Et tu lui donnes. Et là, tu espères qu'il va reconnaître et qu'il va t'être fidèle. Oh, Jesus. Je vous libère de la recherche de l'appréciation de quelqu'un. Il y a l'autre aussi, Adèle. When will I see you again? Que je vais encore te voir quand? Won't you remember? Won't you remember? Ma chérie, on ne pense plus à un ex en pleurant. On ne pense plus au mal qu'un ex nous a fait. I pick, je ramasse tout l'amour que j'ai déposé dans les gens. Tu as conseillé, tu as essayé, tu as voulu qu'il soit. Ramasse tous tes œufs là, tu viens mettre dans ton panier aujourd'hui. Ça, c'est mon message pour toi, pour la Pâque. Tu me suis? Voilà, Pâque, non. Ils s'attendent à ce que tu fasses le dîner, tu les invites, non? Hein? Le jour là, tu commandes le takeaway. On vient livrer à la maison. Tu sors, tu peux manger quelque part de bien. Tu me suis? Maintenant, tu te fais des bisous. Ah ouais. Tu me suis? Même celles qui sont en relation maintenant. Tout ce que tu essaies. Ouais, bébé, tu ne t'es pas levé tôt. Tu n'as pas prié. Ouais, tu ne t'es pas lavé au sel. Tu n'es pas... Hey, qui est? All the good wish. Toutes les bonnes volontés que tu as souhaitées aux gens. Je suis désolée, ma chérie. C'est pour ça que tes choses ne marchaient pas. Bébé. Bébé. B. Je t'appelle A ou je t'appelle B. Choisis. B ou C. B. Si tu as un seul bâton que tu peux utiliser,
Je vais prendre un exemple. Regardez bien. Tu veux que t'appelles A, avec ta grosse tête. A pour avec ta grosse tête. Ok? Voilà. Chaque jour, tu as un bâton. Et ce bâton te permet de sauver une personne. Te voilà à genoux. Seigneur, aide mon mari. Seigneur, aide mes enfants. Seigneur, ton bâton. Même quand vous priez avec des gens, vous allez vous retrouver en train de dire plus de mots pour ces personnes que pour vous. Que les coupables disent amen. Tu rencontres un homme. Il y a des hommes qui sont avec vous seulement parce que vous priez bien, mes chéris. Marakatarabasha. Mashallah, je vous libère. Par la puissance de Christ qui va ressusciter après demain. Par la puissance de Allah. Je vous libère. Vous ne devez plus... Et dites à ma chérie, si tu es tombé sur le message, ce n'est pas par hasard. Écoute-moi bien. Maintenant, mon message, c'est pour les 0,0001%. Je ne vous force plus en rien. Je vais vous dire que je suis en train de former maintenant, même mon groupe. Je vais refaire un autre groupe qui sera payant. Je ne veux plus vous forcer. Tu veux sortir de mon groupe, tu sors. Peut-être même en écoutant ma voix là. Oh, comment je me libère. Me voilà, je fais les prières pour vous. Oh Seigneur, bénis les gens-ci, bénis-les. Tu ne veux pas de ma bénédiction. Hey. Seigneur, bénis l'homme-ci, que ces choses marchent. Que. Pour toi, tu dis une prière. Oui, Seigneur, bénis-moi. Pour lui, tu as dit, il faut qu'il ait son permis. Il faut qu'on l'embauche. Il faut qu'on donne ses papiers. Il faut que. Guy, tu dis que les hommes prient aussi. Hein? Non, si tu pries, ça va, non. Si tu pries, ta femme prie, ça va. Prie pour toi et prie pour elle, non. Est-ce qu'il y a un problème? Hein? Mon message est, je ne veux plus que tout le monde me comprenne. Même si j'apparais ici là, que j'ai porté seulement le soutien. Et comprenez seulement. Je ne veux plus vous plaire. Je veux même plus plaire à tout le monde. Je ne veux plus. Oui, Seigneur. Dieu m'a libéré de l'esprit de plaisement. Même si je parle au faux français. Celui à qui ça ne plaît pas, c'est mon esprit qui te parle. Je te libère. Tu me suis. Tu n'es pas ici par hasard. Voilà Pâques qui arrive. Depuis ce matin, partout, le oh, bon vendredi, c'est... Je dis à Dieu, mais je ne sais pas pourquoi, je ne me sens pas. I don't feel like... I don't want to do everything like this. La société, les réseaux sociaux, la famille vous imposent trop de choses. Certains d'entre vous, mais vous venez me payer pour que je travaille sur vous. Après, vous voulez encore m'imposer comment je vais travailler sur vous. I don't work like that anymore. Je dis que si tu écoutes ceci, chérie, je te libère. Que je suis quoi? Je suis moi. Mais regarde comment je suis. Tu vois, je suis comme une folle, non? Et ça me plaît jusqu'à... Je vais partir monter dans le roller coaster. Je vais chercher le truc qui est à Bouddha Moussa. Je vais monter dedans, ça va me porter comme... Voilà, voilà qui je suis. Ça énerve quelqu'un, il saute, il applaudit avec ses pieds. Oh, je m'en fous de vous, ça me plaît jusqu'à... Ça a le goût. Eh, eh. Je m'en fous. Tchè. Si elle veut raser mes choses, mes cheveux demain que je rase.
Je veux faire la couleur jaune, tout ça, j'ai fait. Je veux inquiet. Toi qui m'écoutes, je disais à l'enfant que mon souhait, c'est que tu penses un peu plus à toi. Tu vois. Vous n'êtes pas venu vous sacrifier pour les gens. Parce que si vous mourrez, ils vont continuer. Si demain ma page est fermée, on vous dit que je suis morte. Vous allez, oh, elle est morte. Oh. 2 secondes plus tard, chérie, on fait l'amour ce soir. Chérie, on mange quoi ce soir? Et c'est comme ça la vie. Attendez, j'ai 2-3 personnes à bloquer ici là. J'aime bloquer les gens jusqu'à... Ça me donne de la jouissance. Ah ouais. I love it. You know, I love this. I love that shit. Hey. On passe maintenant aux choses appétissantes. Il y a une autre dimension d'argent qu'on veut te donner. Tu me suis, ma chérie. There's another level that is coming. Et ils sont en train de chambouler tes pensées. Ce n'est pas comme tu penses. Selon tes statistiques, ton argent était censé avancer. Supposons que tu grandissais 10% tous les mois. Là, ils veulent te faire passer à 78 milliards de pourcents. On veut chambouler ton être. Et tu es en train de te libérer de quelque chose qui a bloqué des générations avant toi. Oh. I can't get enough. Bon, j'ai noté certaines choses. Attendez, je vous les donne. Avoir des dons spirituels et être appelé, ça ne veut pas dire que tu dois porter les gens sur toi. Ça ne veut pas dire que tu dois recevoir ou accepter les plaintes des gens. Hein? Les plaintes, c'est pour le commissariat. Il y a beaucoup d'idées que vous avez, mais voilà. On me dit de vous dire que vous ne dépendez de personne. Vous suivez? Vous ne dépendez de personne. S'il y a quelqu'un qui t'a fait croire que c'est à travers lui que tu ouvres ton argent va augmenter. Ne lui dis même pas, hein. Montre-lui. Tu vois, quand tu te passes de quelqu'un jusqu'à il est choqué, même étonnement est étonné. Mais je pensais qu'elle avait besoin de moi. Avec ton bon cœur, tu es le genre de personne que dès que les gens t'approchent, tu es trop visible, tu es lisible. Voilà, c'est le mot lisible que je cherchais. People can read you like a book. Ce n'est pas mauvais, n'essaye pas de te voiler. C'est ça qui fait ta puissance, ta transparence. Mamie, même sans publicité, ton argent va augmenter. Écoute-moi bien. Même sans publicité, si je fais 2 semaines avant de faire le direct, mes vues ne vont pas baisser. Ouvre-toi à cette nouvelle façon. On t'en parle depuis quelques jours, mais tu te dis, ah, they're calling you higher. Ils sont en train de t'appeler à aller plus haut. Je vois quelqu'un ici là que tu as une ou deux personnes en autour de toi. Quand ces personnes sont arrivées, ils ont vu ce que les anciennes personnes t'ont fait. Et ils sont en train de vouloir commencer la même chose. On me dit de te dire que prends le couteau, tu coupes une fois la porte. Que, donc, la main que tu leur avais tendue là, tu coupes ça comme on coupe la queue du bœuf. Jusqu'à le choquement est choqué. Mais je pensais que tu m'avais dit que tu avais besoin de moi, non? Tu m'avais dit que tu voulais... Lu et ignoré. En fait, ils ont besoin de toi. Sans toi, ces personnes tombent comme ça. Écoutez-moi bien. Comme ça. They drop.
Je vous mets au challenge. Désabonnez-vous de ma page. Faites un mois sans écouter mes vidéos. Vous allez voir comment votre énergie sera. Vous avez suivi? Désabonnez-vous. Faites un mois. Sans vous. Vous suivez? Ils font comme ça là. C'est devenu facile pour toi, chérie. Oh, comment je suis contente. Elsa, tu connais la voiture qui t'attend, non? C'est la Cayenne ou c'est la Tesla que tu veux? Hein, Elsa? La dernière fois qu'elle faisait ton lavage, comment tu as appelé le lavage le mois passé, un truc comme ça? Quand elle passait sur toi, il dit, est-ce que la fille s'y connaît même ce qui l'attend? Votre pouvoir de manifestation est affecté par les gens de votre entourage. Et vous n'avez pas besoin d'eux. Vous suivez? Vous n'avez pas besoin d'eux. Voici un gros lait garçon comme ça. Là. Il est noir jusqu'à... Regardez-le, avec les grosses joues. Si tu as un gros ventre, voilà, la tête te bloque. Et n'aime pas quand les garçons viennent parler, ça m'énerve. Quand un gars est laid, il doit faire l'effort d'être gentil. Celui qui a un petit zizi comme ça. Oh, on va faire les choses comme ça. Je viens parler dans mon direct que tu es qui? Petit zizi là. Les gars qui ont le petit zizi aiment trop parler fort. Je suis une petite ici comme ça. Oh. Continuons nos choses. Les gars qui ont le gros zizi là, ils ne parlent pas. Hein? Ils te mentent. Péché, c'est quoi? Quittez avec ça. Continuons. Petit zizi, j'ai dit. Petit zizi, petit zizi, petit zizi. Voilà. On continue. Tu dois devenir une personne qui ne pardonne pas. Vous suivez? Même s'il faut que tu vives seul dans ton environnement, quatre chambres seules à New York. Mais où les gens vivent là-bas, non? J'ai ma maison, je viens vivre là-bas 3 jours par mois, ça me va. Tu sais qui tu es, ma chérie? C'est en train de parler dans ton esprit, tu connais que c'est à toi qu'elle m'adresse. Tu sais, écoutez, ma mission est passée à un autre degré, je suis à une autre vitesse. Tu n'as pas encore reçu ta lecture de carte, je ne lis plus les gens. Si tu m'écoutes, mon message ne te parle pas, désabonne-toi, tu pars. Je ne fais plus les lectures personnalisées. Maintenant, si j'ai le temps, un jour, je suis de bonne humeur, je vais vous lire comme ça là. Mais pendant mes directs, je ferai les lectures collectives, selon ce que l'esprit est en train de montrer. Donc, je vous invite massivement à vous désabonner de ma page. Je veux les personnes qui vont manifester. Je veux entendre, oh, en 2 mois, j'ai une nouvelle voiture. Oh, en 2 semaines, j'ai telle chose qui s'est passée. Mes papiers qui étaient bloqués depuis 8 ans. On est dans la saison de ça. Et mes paroles viennent seulement débloquer. Donc, pendant que vous allez m'écouter, vous allez sentir que je vais bouger en vous. Je dis, mais qu'est-ce que quelque chose s'est passé? C'est dans ça que je vous... C'est dans ça qu'on est maintenant. Vous me suivez? Tu as suivi, non? Désabonnez-vous. Oh, les belles choses qu'on m'a montrées pour vous. Elsa, je te parlais de la joie. Tu as choisi quoi? Tu voulais la Cayenne ou la Tesla? C'était quoi? Je n'ai même pas vu ta réponse. Parce que je dois m'accorder avec toi pour ça. Hmm? Ah, la Cayenne. D'accord. Tu vas allumer une bougie chez toi. Une par jour pendant 7 jours. Je sais que tu es très... La déesse Oshun. Tu as la puissance des femmes de l'eau. Tu allumes. Tu déposes.
Si tu peux trouver des oranges, tu coupes des oranges, tu déposes à côté. C'est tout. Ça suffit. Je me rappelle très bien du jour où je t'ai consultée. Tu es une femme très puissante. Maintenant, ce qui vous dérange, voilà, il y a Keshila qui dit qu'elle a eu, elle avait dit merci à Dieu et on lui a donné une Volkswagen en cadeau. Recevez vos voitures. Cadeau. Cadeau. Oh my God, je suis belle ce soir. Hey, je m'aime au... Hey! Le goût de ça. Maman. Regardez, avec la lueur de la bougie. Francis, tu dis que tu veux avoir 5 millions d'euros et te marier avec moi. Je vais te bloquer. Hein. Attendez, j'apprécie ma beauté d'abord, même. Pardon, attendez. Avec quelques oranges. La dimension dans laquelle on est maintenant. On ne fait pas les choses pour plaire aux gens. C'est ton intuition qui va te guider. Tu me suis. Vous êtes en train d'entrer dans un autre degré de votre beauté. Votre sensualité. L'argent. Et la beauté, la sensualité, ça vient, ça va ensemble. Plus tu vas devenir belle, plus tu vas manifester. It doesn't make sense, I know. Beaucoup d'entre vous, vous allez devenir encore plus belle. Vincent, je ne veux pas savoir, je ne suis pas le bureau de plainte. Mon dossier est bloqué. Je ne veux pas savoir vos problèmes. Tu me vois comme ça, je suis belle comme ça. Tu penses qu'elle veut savoir tes problèmes? Eh mon cher, je ne veux pas savoir tes problèmes. Vous connaissez, tu as un problème, tu mets une volonté, tu fais une offrande, tu déposes. Ou tu... Il y a tellement de façons d'évacuer vos problèmes. Vos amis ne sont pas faits pour écouter vos problèmes. Arrêtez de partir, oh j'ai tel problème, j'ai tel... Non, 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 arrêtez ça. Arrêtez ça. J'ai tel problème, j'ai tel problème. Je suis le commissariat. Vous allez remarquer, je vous ai dit que soit aujourd'hui, soit demain, soit après-demain. Merci ma gloire. Achète quelque chose pour toi-même, en mon honneur. Tu filmes, tu m'envoies. Que maman, j'aime le truc, c'est jusqu'à j'ai acheté ça, je suis en train de manger. Je suis en train de faire. Je suis en train, peu importe ce que c'est. Tu mets ça sur mon compte. L'offrande que tu allais me faire là, achète quelque chose avec, tu mets sur ton corps, à poumon, ça te plaît. Ok? On vous a trop abusé. Il y a des gens que vous rencontrez, ils sont en train de souffrir. Randy, je ne veux pas savoir si tu es attaché, Randy. Tu ne comprends pas? J'en ai rien à faire, Randy. Randy, j'en ai rien à faire. Et je ne suis pas désolée. Ok? Je ne suis pas désolée. Généralement, les gens demandent vos problèmes et ils demandent votre argent. Ne me donnez pas vos problèmes. Et je ne manquerai pas d'argent non plus. Non, ne vous en faites pas tout ça. Apprenez. Il y a des systèmes. Je vous ai enseigné longuement ici. Vous savez comment faire quand vous avez une situation.
Donc ce soir, ma parole aujourd'hui pour vous, c'est de vous libérer. Attends, il bloque le gars ici. Randy, je te bloque. Les gens qui demandent tout sont les pauvres. Je ne veux pas. Je ne veux pas l'esprit de pauvreté ici. I don't want. Beaucoup de personnes qui sont autour de toi, c'est toi qui es leur carburant. Ils s'inspirent de ton énergie. Seulement le fait qu'ils te disent ça, est-ce que tu sais que... Seulement le fait que tu écoutes. Il y a des gens que seulement le fait qu'ils te disent son problème, dans le spirituel, ces choses bougent. J'ai des personnes dans mon entourage que j'ai récemment beaucoup tolérées. Et je suis quelqu'un que je me lève souvent comme ça, là, ça tourne dans ma tête, je vous chasse, je vous renvoie, je vous bloque. Parce que les gens vont vouloir abuser de toi. Je vous ai dit que les choisis, les élus. Voilà l'autre qui demande, mentionne-moi dans tes prières, je te bloque. Mentionne-moi dans tes prières. C'est quoi cette dépendance-là? Internet, c'est seulement pour les sensus. C'est quoi? Bonsoir, lumière. Ah! Je reste, la personne fait un faux pas. Me voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider la personne? Qu'est-ce qu'on peut? Je suis contre Jacques. Je peux prendre une bougie, j'allume. Je dépose pour toi. Ça enlève même les malédictions de 30 ans de la vie de ta mère qu'elle a mis sur toi là. Ça t'enlève ça. J'annonce officiellement à ceux qui sont à côté de moi. Je ne sors plus personne. Parce que le revers de la chose est toujours la chose suivante. Ils se prennent la tête. Est-ce que vous savez qu'il y a différents types d'élus? Il y a des personnes qui sont élues, mais ils sont pauvres. J'ai promis de ne plus bloquer les gens. Oups! Oups! J'ai bloqué encore. Tu fuis avant qu'après. Tu sais ce que ça m'a coûté pour que mon énergie attire constamment l'argent? Ne vous laissez pas méprendre avec les gens qui ont les pouvoirs comme vous. Comme vous. Il y a pouvoir et il y a pouvoir. Quand tu penses que ce que je fais, c'est facile, n'est-ce pas? Va faire ta part. Pourquoi tu as besoin de venir à côté de moi? Va faire, on voit. Oh, you know. I'm watching you. Va faire. Parce que j'ai quelques personnes autour de moi, là, je vais un peu faire un nettoyage. Quelques petits employés, là, que la bouillie monte souvent dans leur tête. Ça se transforme, ça devient un peu le sperme avec le tapioca. Je ne comprends pas.
Tu as vu le titre de mon direct, c'est questions-réponses. Toi qui as la question, mamie. Le manque de respect, c'est l'une des formes pour aspirer tes pouvoirs. Ha! Evelyne Abogton, tu es encore dans mon direct aujourd'hui. J'étais à HSC au moins 4 fois. Et à chaque fois, j'oublie de te bloquer. Tu m'as manqué de respect un jour et je t'ai demandé, s'il te plaît. Je t'avais remboursé et je t'ai demandé de quitter sur mes pages. Et c'est parce que tu reviens tout faire ici là. Quand ils travaillent souvent sur vous là, vous pensez que... S'il y a une chose qui est sûre, c'est que vous pouvez vivre sans moi. Je peux vivre sans vous. Mais le type de vie que tu vas vivre sans moi sera différent. Le type de vie. The type of... C'est ça qui sera différent. Vivez sans moi. Ça, je ne suis pas le Dieu de quelqu'un. I'm nobody's God. Je donne des instructions pour qu'on bloque cette dame. Il y a beaucoup de choses que vous connaissez déjà. Il y a des choses que vous connaissez déjà en vous. Et votre test ultime, ce sera de vous envoyer des personnes qui seront comme des sangsues. Et la religion vous a dit, aidez les gens. Le jour où tu veux aider, achète des choses que tu peux donner. Lundi, on est censé partir dans les orphelinats et prisons. Tu ne veux pas venir, envoie ton argent, on va acheter le sucre avec, on va partir le donner. Moi, je dis que pour la prison de Douala, il faut donner le maïs. On va acheter le maïs, on va les donner. Ton affaire que tu veux toujours sauver les gens autour de toi. Et ces personnes ont la capacité d'accéder dans ton chakra du cœur. Ils touchent ton chakra du cœur. Toute prison dans laquelle quelqu'un vous a mis, tout copain que tu as pris sur toi, je vais l'aider. Je te libère. Si sa mère ne l'a pas aidé, tu es qui? Tu es qui? Qui es-tu? Qui es-tu, ma chérie? Mes enseignements, ça seulement, ça te passe dans une autre vibration. Tu as besoin de garder ton énergie pour manifester. Mamie, j'ai un membre de ma famille très proche qui a voulu me faire ça récemment. Il me contacte quand il a besoin de quelque chose. Quelqu'un que j'aime beaucoup. Cœur là, tu ne me tiens plus. You know if you hold me. Garde-moi telle chose, hein. Garde-moi. Je n'ai même pas eu l'envie de chercher ça sur le marché. Je n'ai même pas eu l'envie. Mais j'étais fière de moi. I was like, well done, Jocelyne. Oh my God.
Il y a les gens qui aiment le trou dans lequel tu les as trouvés. Ils aiment ça. Et ils ne comprennent pas ce que ça te coûte de te tendre la main pour les sortir de là. Ils ne savent pas. Bonsoir, Noëlla. Ils ne savent pas. Toute personne avec laquelle, même si la personne vit chez toi, la personne, peu importe ce que la personne dit avec toi, si la personne est enregistrée dans ton téléphone et il peut voir tes statuts et il peut te dire bonsoir, son énergie est attachée à la tienne. Je vous dis. Et les gens ne savent pas ce que ça vous coûte. Il n'y a rien de plus difficile que de faire beaucoup de travail pour quelqu'un. Et la personne ne comprend pas. J'ai dit récemment à une de mes amies, filles, je ne sais pas quelle position, je lui ai dit que regarde dans tout ton entourage ce que tu es en train de faire avec toi. Parce que vous n'aimez pas voir les gens avec leurs acteurs. Même les employés, quand ils les prennent souvent. J'ai un récemment, là, il est arrivé. Les formations, le mentoring, le coaching que je donne à ce jeune homme. Après, comment, oh, tu sais, il arrive, son père commence à lui dire, il faut qu'on te donne tel type de papier. Réclame ça là-bas à ta patronne. Réclame ça. Il vient me voir, il commence à donner sa liste. Je l'ai regardé comme ça. Je lui ai dit, est-ce que ta personne qui t'a conseillé là, je t'ai trouvé, tu étais où? Quand tu es venu ici, tu étais où? Tu étais où financièrement? Ne vous méprenez pas, hein? Certains d'entre vous, vous êtes attachés par le mari de ta mère même, ou ton père, ou telle personne. Le mieux qu'ils aient fait pour toi, c'est de te laisser là où tu es là. Là où mes vidéos t'ont trouvé. Donc le jour où tu vas vouloir penser dans ton esprit, que ah, la femme, si. Et mes méthodes ne sont pas douces. Même si tu me vois dans ton rêve, je viens te corriger. Que tu dis qu'il t'a dit que. Parce que c'est que ce que tu me sors là, ça ne peut pas venir de toi. Si tu aimais tant que ça, pourquoi il ne t'a pas fait voyager? Si tu aimais tant que ça, est-ce que vous savez qu'il y a même des gens dans votre famille qui sont jaloux de vous? Vos mères, vos pères là, certains sont jaloux de vous? Non, ma mère ne peut pas. Ton père est venu dans le mariage avec ta mère. Il est venu dans le mariage, il a trouvé, ton beau-père a trouvé ta mère. Elle t'avait déjà, et lui-même, il avait ses enfants. Tu penses que de tous les enfants qu'il a eu avec ta mère et qu'il a eu avant ta mère, là, toi, il va te les laisser eux tous pour t'aimer, toi? Hein? Seul? Toi seul? Réfléchissez. Réfléchissez. Je ne peux pas le décevoir. Je ne peux pas. Souvent, tu commences un projet avec quelqu'un, la personne avance. Après, se tourne. Oh, je ne peux pas quand même décevoir telle personne. Je dis que telle personne là t'a amené où? C'est la mère de mes enfants. Je ne peux pas. N'est-ce pas qu'elle était trouvée ici là? Tu n'avais pas de boulot. Tu n'avais pas de papier. Tu étais dans une petite chambre avec un lit d'une place. Maintenant, tu me dis, non, il faut que j'introduise la mère de mes enfants dans les demandes de papier. Elle t'avait laissé pour partir avec un autre homme, non? Continuez de croire que vous êtes le Jésus des gens. Continuez de croire. Il y a
les gens qui ne veulent pas sortir de leur trou. Visite la distance. Bonjour, bonjour du trou. C'est tout. Ces personnes ne savent pas ce que ça vous coûte. Ils ne savent pas ce que ça prend de vous pour aller et les aider. Maintenant, il est temps que tu décides que tu ne prends plus la merde. I don't take bullshit anymore. Je ne prends plus. Je ne prends plus. Toi, tu me donnais quoi? Celui qui me donne le souffle, celui qui fait je respire. Il ne me fait pas le chantage. Toi, tu es qui? Oubiou. Hein? Oubiou. Merci, grâce. Tu me donnes toujours les cadeaux. Merci. Merci, la dada, pour les cadeaux aussi. Hein? Habitue-toi, hein? Que tu peux t'asseoir, tu as dans ton compte 2, 5 millions. C'est ton argent pour construire ta maison. Quelqu'un vient, ouais, aide-moi, non, j'ai besoin de 250 000. Je ne suis pas obligée de te donner. Le volume est bon. C'est pour ça qu'il y a certains argent que tu as dépensé. Dieu ne t'a plus remplacé ça. Parce que c'était le dépensage. J'aime les mots comme ça, j'aime composer mes mots moi-même. C'était le dépensage qui n'était pas permis. Tu ouvres ton compte, votre solde est de 4 550 euros. Oui, oui. Oui. Je ne suis pas obligée. Je ne suis pas obligée. J'ai des gens dans ma famille. Le jour où j'ai su que les gens avaient l'argent, je ne sais pas si j'étais déçue, choquée, j'avais mal. Donc tu avais l'argent. Alors que la semaine passée, on s'est cassé ici pour donner l'argent à telle personne. Oui. Son argent, c'était pour ces choses. Apprends aussi. Apprends. Qu'il ne suffit pas qu'on vienne te flatte avec un petit truc. Parce qu'on ne t'a jamais fait de cadeau. Du coup, quand quelqu'un te donne un truc, tu dis, oh my God. Il y a les gens intelligents. Il y a les gens intelligents. Je prends ça. Ça coûte 2000. Je viens et te donne. Toi, tu vas me remettre au moins 600 000. Parfois, tu quittes de la poêle, tu tombes au feu. Tu quittes de la poêle, tu tombes au feu. Et cet ex dans ta vie, là, cette personne qui est con, t'as fait ça parce que tu avais permis progressivement. Il a fait le mini, 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 mini. Au Cameroun, on a un jeu qu'on fait. Et le principe du jeu, c'est quoi? On met un bâton qu'on pique dans le sable. On le met dans le sable comme ça.
Et le but, c'est une montagne de sable. Donc, on va dire, voici la montagne. Et le but, c'est de... Chacun doit gratter le sable petit, petit. Si ça tombe de ton côté, tu perds. On te tape, je crois. La personne vient faire mini, 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 mini. Oh, mini, 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 mini. Il prend un peu. Finalement, il prend tout. C'était toi qui laissais. C'était toi qui laissais. Je peux être avec toi, tu es mon ami, tu es ma copine, tu es mon enfant. J'ai 10 téléphones. Toi, tu as le 3310. J'ai 5 iPhone 15. Toi, tu as le 3310 Nokia. Apprenez ça. Ce n'est pas tout le monde qui doit venir dormir ou conduire ta voiture. Laisse ta voiture dans ta villa. Toutes les semaines, on vient, on ne retient pas, on conduit un peu comme ça, on vient, on dépose. Si ça se gâte, ça se gâte. Tu n'es pas obligé. Oh, elle est dans la ville, prends ma voiture, tu utilises. Tout ce qui te concerne, c'est ton onction. Ce n'est pas n'importe qui doit profiter de ton onction. Parce que quand ils vont entrer dans ta voiture, l'insolence va s'installer comme bien, whether you like it or not. Et je vous dis encore, il y a élus et élus. On peut être tous élus. On peut être tous des moutons, des chiens. On marche ensemble. Il y a le chihuahua, il y a le nguanjang. Il y a le Rockefeller. Il y a le bulldog. Il y a le nguanjang sur ça. Le nguanjang, c'est quand on prend le caillou comme ça, là, il met la queue entre les jambes, il fuit. Coing, coing, coing. Vous êtes tous des chiens. Voilà, tu as prêté ta voiture comme ça. Après, source de problème, j'ai vendu toujours les pubs après. Voilà. Voilà. Ce n'est pas parce que la personne suit rien de lumière. Tu vas savoir que c'était à partir. C'est à partir de Pâques que j'ai demandé. J'ai décidé de changer. Pâques. Tu vas te rappeler que c'est le vendredi saint de 2024 que tu as changé. Oui. Il y a élu et élu. Il y a élu et élu. Oh, je suis aussi élu comme toi. Il y a souvent des personnes que je regarde, je dis, mais attends. Si tu es élu, pourquoi? Mais ça, c'est facile, non? Pourquoi ça peut... Ça bug déjà à TikTok. Comme ça, on va arrêter. J'ai hâte d'arrêter avec TikTok.
Il y a élu et élu. Mais c'est facile. J'ai une amie comme ça d'avant. C'était même qui? Au fil des années, j'en ai rencontré plusieurs. Et au départ de la relation, quand vous parlez, vous sentez que oui, quand on parle spiritualité, on se comprend, voilà, c'est ça vibe, you know? Certaines sont souvent sur ma page, elles passent comme ça, juste en passant. Et après, je me dis, mais attends un peu. Pour moi, quand je connais un truc, tac, 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 je fais pour moi, je fais pour les autres. C'est pour ça que j'en suis arrivée à guérir les gens. Parce que moi, chaque fois que je découvrais quelque chose, je me disais, oh my God, si ça c'est là et que ça peut aider, mais attends, autant mieux que je dise, celui qui veut, il me paye, je fais pour lui. Mais après avoir tapé le ventre, comme on dit chez les Camerounais, j'ai vu que la personne n'avait aucunement l'envie de le faire. Tu as payé ta dîme à 13h. Donc, tu as payé ta dîme le matin. À 13h, on t'a appelé pour le travail. Waouh! Ça, c'est super, Laurent. Nous bénissons le travail, là. Nous bénissons ta dîme aussi. Oui. J'ai tellement enseigné sur la dîme. Il ne faut pas quelqu'un vous paye sa dîme. Si tu sens que tu vas payer, quand ton argent entre, tu payes. Parce que quand tu auras ta récompense, quand ton argent va encore venir, ça va augmenter à cause de la dîme, là, tu ne vas pas donner ma part sur ça. Voilà. Je me suis rendu compte que les choses qui sont naturelles pour moi, pour la personne, non. Et les gens ne savent pas ce que vous avez demandé dans votre cœur. Le tout, c'est pas d'avoir les pouvoirs. Le jour où j'ai compris ça, j'ai compris que, comme Jésus a dit que détruisez ce temple, je le reconstruirai en 3 jours. J'ai compris que je ne serai jamais pauvre, je ne serai jamais abandonné ou démuni, jamais. Parce que ça vient avec un sacrifice qui est de l'intérieur de toi d'abord. Tu as accepté ta mission. Les personnes qui vont le plus douter de toi ou attaquer cette mission, ce sont les personnes que tu auras autour de toi. Inch'Allah. Ah, tu as eu ta résidence. Waouh, félicitations Ingrid. Quand j'enseigne ici, il y a des gens qui écoutent ce que je dis, ils pratiquent, ça les aide. Il y en a qui se disent que, ah, et ils ne font pas. Ils resteront toujours spectateurs. Mais en attendant, nous on avance. Vous devez arrêter de vouloir tirer les autres pour qu'ils soient comme vous. Arrêtez de les tirer. Laissez them alone. Potaque them non. Oh you, non. Potaque them non. J'ai mélangé le patois avec l'anglais. Leave them alone. Tu es dans ma voiture. Tu snaps avec mon chauffeur.
Tu préfères laisser mes choses maintenant là-bas, ça reste. Oui. Laissez ça, ça gâte, j'ai. Oui. Comme tu restes dans ma clim déjà 2-3 jours là, ça commence à te monter à la tête, n'est-ce pas? Hein? Si tu penses que j'exagère, va faire pour toi. Tu me suis? Va faire pour toi. Vous avez manqué de respect aux gens, non? N'est-ce pas? Va faire pour toi. Je te donne la permission. Et Dieu ne me punira pas. Dieu ne va pas me punir parce que j'ai refusé de te donner. Donc pour moi, si tu ne me donnes pas, ta main sera comme ça. Jamais. Arrêtez d'avoir peur. Soyez en paix. Comme ils croient qu'ils sont forts, non. Laissez-les pas te faire pour eux. Vous allez les laisser dans 2-3 semaines, ils seront retournés dans la même chose dans laquelle ils étaient avant. Il y a des gens qui ne savent que ce dans quoi tu les as trouvés. Tout ce qu'ils savent faire, c'est la boue dans laquelle tu les as trouvés là. C'est tout. Tente de laisser la personne. J'ai été une fois avec un mec comme ça. C'est les manquements de respect qu'il voulait suivre. Quoi tu voulais voir? Je suis levé un matin, il dit que c'est bon. On se sépare, bye. Bye. Comme je ne suis rien, je ne fais rien dans ta vie là, bye. 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 Un mois plus tard, on se revoit. La personne était rentrée dans la chose que la personne faisait avant qu'on ne se rencontre. Il dit que toutes les heures de coaching, les conseils, les prières que j'ai priées sur toi là, donc tu as fait comme ça, tu retournes encore là-bas. Un gounam, gounam, gounam. Oh, Seigneur. Pardon, attends, il te bloque, papa. Ça, c'est les pasteurs qui viennent à mon direct. Pardon, je n'accueille pas les pasteurs ici. Vous quittez. Vous avez pas appris le français, même là où je suis. Ngonom est reparti dans la boue dans laquelle Ngonom était. Parce qu'il y a des gens que quand vous retirez votre présence d'eux, comme ça là, tout ce qui leur manque, votre lumière reste un peu. Un peu, ça part dit doucement, ça part, ça part, ça part, ça part. L'obscurité arrive. Boum! Avoir la lumière, c'est quelque chose qui demande la persistance. Il y a des gens que quand tu entres dans sa vie, il y a des sommes d'argent qui touchent constamment. Ta main. Connaissez votre onction. Connaissez ce que vous portez. Chaque jour, les bas 100 000, 200 000, alors qu'avant son salaire était 70 000 le mois. Son salaire était 100 000 le mois. Il reste, va m'acheter peut-être tout là-bas. Il va donner ça à tel fournisseur. Va, tu vas comme ça là. Va comme ça là. Vous vous séparez. 6 mois plus tard, la personne cherche même 500, il ne voit pas. Il y a puissance et il y a puissance. Il y a puissance et il y a puissance. Les copines qui viennent chez toi manger dans ton saucisson, dans ton frigo là. Hein? Elles viennent calculer ton saucisson au frigo.
Quand vous vous séparez, l'amitié n'est plus là. Tu Wanda. Souvent en achetant ton lieu, tu achetais sa part. Je ne prédis rien aux gens. Il y a des hommes que quand ils sortent avec toi, ils deviennent soudainement beaux. Je me rappelle à l'époque, j'avais un mec, un Nigérian, très élégant. Que ton ex dit de mettre ton énergie, hein. Mais il dit que tu reviens, que tu le prends au bain, il te demande de revenir pour qu'il se recharge. Hein. Bloque-le, ne lis même plus ses messages. Tu le prends au bain. Même le power bank, pour mettre ça au mur en branche. Hop. N'est pas tu le power bank. Bonsoir Guy. Je vous ai dit que l'offrande que vous allez me faire le week-end-ci, prenez ça pour acheter quelque chose de bon. Vous fumez, vous m'envoyez que voilà ce que j'ai acheté, je suis en train de manger. Voilà ce que j'ai pris, je suis en train de consommer ou bien de peu importe. Tu filmes, tu m'envoies. Et fais santé à toi. Tu as besoin de venir dans mon direct prononcer son nom, que j'ai vu est sur son visage. Voilà les esprits tordus, et Nadia. Toi, ton esprit n'est pas bon. Qui dit que le gars nigérian là, il avait la carrure. Quand il marchait à côté du gars là, j'étais comme une première dame. Je me sentais comme une première dame. Je savais qu'on fait au moins 8 ans qu'on se séparait. Mais jusqu'aujourd'hui, il me rappelle l'énergie du gars. Et le gars connaissait faire le self-care. Souvent, tu le trouves chez lui. C'est lui qui m'a appris des faux trucs comme ça. J'appelle ça faux truc, mais... Il dit que je cherche de lui. I'm looking for almond oil. Do you know where I can find almond oil? Il dit que tu veux faire quoi le almond oil? Je vais mettre sur mes cheveux. C'est pour mon visage. Tu le trouves comme ça. Il a mis la baignoire. C'était un mal. C'était un bon mal. Il avait un, il servait le plantain là bien chaud. OK? Il servait ça bien chaud. C'était pas un gay. Tu le trouves comme ça, il a mis les bouchées dans sa autour de sa baignoire. Il est couché dans la baignoire, il écoute de la musique. Tu toques, babe, I've been knocking for like the past 30 minutes. Well, oh, I was in the bath. I was in the bathtub, you know. Très, très élégant. Vous sortez, vous partez au faire le shopping. Il achète ses choses. Il t'achète un truc, il achète 10 trucs pour lui. Oh là là. Oh là 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 là. C'était un Nigérian, mais il était né et grandi en Angleterre. Donc, il n'était pas lui dans les trucs des Noirs, que l'homme s'occupe de la femme totalement et tout ça là. Non, il s'aimait lui. Hein. Non, non, non. Et quand il m'a rencontré, j'étais dans les étapes de ma vie où je souffrais énormément. Là, mon âme souffrait. Je me rappelle un jour, il voit comment je vis, il vient chez moi. Je crois que c'est mon énergie qui me l'avait le plus attiré. Si c'était mon argent, là, j'avais pas d'argent. Il vient, il voit comment j'étais dans une share house avec ma fille. Je dormais dans la même chambre, sur le même lit que ma fille. Et là, il dit, mais tu souffres, on va t'acheter des habits. Il est parti au cash machine, il a été 180 pounds. Je me rappelle ce que vous dites. 180 pounds. Il est venu me donner. You can buy something, you're suffering too much. Et c'est quelqu'un qui dépensait, il peut te dépenser 200 pounds en une heure de temps, enfin, c'était rien pour lui quoi. Et je me rappelle dans ma mentalité d'avant, je me disais, ah, il peut me donner plus que ça, pourquoi il ne me donne pas? Voilà les fausses mentalités que j'avais avant. Hein. Voilà les fausses mentalités. He had a high self-esteem, yes. Thank you, Nina. Very high. That's something that up to today I really like. C'est l'une des rares personnes que j'ai rencontrées. Vous savez que les Noirs, on nous a habitués à toujours tout donner. Donner à la famille, donner à nos gars, donner à nos ceci, donner à nos enfants.
Oui. Non, il ne voulait pas quelque chose qui va troubler sa paix. Il ne voulait pas les souffrances trop, trop là. Il n'était pas juste ça. Et je me rappelle de l'émotion que j'ai ressentie quand il m'a donné l'argent. Tu vois, quand on était ensemble, il me disait qu'il peut me donner l'argent. Mais quand il m'a donné, quand j'ai vu les besoins que j'avais à l'époque, l'argent là ne pouvait pas combler mes besoins. Donc parfois, le manque que vous avez, ce n'est pas d'argent que vous avez besoin. C'est l'âme qui est abîmée. Your soul is suffering. Ton âme est abîmée. Et quand ton âme est abîmée, tu souffres. Tu as l'impression que même si on te donne même 200 000 euros, après tu dis, oh, je dois acheter ça. Après, ça va finir. Oh. Après, ça va finir. Oh. Il y a un truc en toi qui manque. Tu sens que l'argent va bientôt finir. Tu donnes à quelqu'un, tu attends qu'il va te dire merci. J'ai eu une grande somme d'argent. J'ai des projets, mais j'ai un manque. Ce n'est pas la somme d'argent qui te manque. C'est ça, en fait, donc, je ne sais pas vous dire. Tu demandes un crédit à la banque, on te l'accorde. Finalement, quand l'argent vient, même tu te dis, oh, si je vais faire ça, va finir encore. Si tu as 45 000 euros dans le compte. Après, tu vois que quand je vais faire ça, après, il va rester 1000 euros. Le manque s'installe en avance, alors que tu as encore 45 000 dans le compte. Donc, ton esprit, d'abord, doit être prospère. Et ça commence par donne-toi. Donne-toi d'abord. Je n'aime pas le mot aidez-moi, Henriette. Je ne suis pas. J'ai créé une association. Mais je n'aime pas le mot aide-moi. Le but de mon association, c'est d'aider les gens à se. Je veux donner de l'autonomie aux gens. Mental d'abord. Parce que beaucoup de choses qu'on va faire sur le terrain, ce sera mental. Aider les gens à se connaître eux-mêmes. Je ne suis pas là pour répondre à vos questions. Ne me posez pas de questions, s'il vous plaît. Ok? J'ai pris mon crédit que j'ai payé avec mon argent sur mon téléphone que j'ai acheté avec mon argent. Je suis en train de vous faire le direct. Je ne demande pas d'argent du tout. Vous voyez, non? Donc, ne venez pas me poser des questions. Comment faire? Comment ceci? Mes paroles déjà vous guérissent. Si de mes paroles, tu ne tires rien, tu peux quitter. Ok? Mashallah. Continuons, non? Je parlais de cet homme avec qui, quand je marchais à ses côtés, je me sentais comme une first lady. Il y a des gens que quand vous rencontrez, il y a des petits détails que vous apportez dans leur vie. Un mois, tu vois, le gars a changé. Tu vois, non? Tu vois un peu, Jean chéri? C'est ton onction. C'est ton onction. La minute où la personne va commencer à vouloir faire genre, babe, I'm gone. Mon onction est partie. Bye. Parce que quand tu commences à donner de toi, même si tu viens seulement t'asseoir à côté de moi, tu profites de ma clim. Ma clim a l'onction. La clim dans ma maison a l'onction. L'air qui sort là, ça a l'onction. Tu suis, non? La clim qui sort de ma voiture a l'onction. Ma page de Gift Digger Academy a l'onction. La page Rien Lumière, c'est ça, l'onction. Seulement le fait que tu tombes sur mes vidéos là, ça chamboule un peu tes choses. Like, I feel good. Maintenant, l'instant où tu commences à sentir comme si la personne veut te drag, like he wants to pull you down, il y a même certains faux problèmes. Parce que quelqu'un qui est prospère dans son énergie, il veut te complimenter, il est de bonne humeur. Même s'il y a un problème qui arrive, il voit toujours ça d'une belle façon. Non, ça va aller, on va trouver une solution. Ok, essayons comme ça.
Oh non, 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 il y a une autre personne. Mais vraiment, j'ai un problème. Voilà d'abord la façon dont il parle. J'ai un problème. Le mot problème, mes employés ne peuvent même pas me dire que madame, on a un souci. Tu pénalises 500 d'abord. Nous avons une situation qui se pose, madame. Quelle est la situation? Oui. Il y a des personnes qui font des problèmes avec n'importe quoi. They take anything to do with problems. I don't need you. Même les problèmes que je fais avec toi, me chamailler avec toi là-même, je ne veux plus. Te réprimander même, je ne veux plus. Il y a des relations que vous devez dire. Donc, non, le gars là va voir que mais tu ne m'appelles pas compris. Tu ne me dis même pas de venir me laver avec le sel. 6 heures passées, tu ne m'as pas réveillé pour compris. On ne prie même pas avec n'importe qui. Ah! Prier avec quelqu'un, c'est être en union spirituelle. C'est comme si tu fais, c'est comme si la personne te pénétrait ou tu pénétrais la personne. Merci la reine du sud. Tu peux voir ça parce que c'est ce qui est en toi. On ne voit que ce qu'on est en moi. Certaines personnes me regardent et c'est l'opposé qu'ils voient. Donc ton âme est pure. Mettons-nous en présence. Seigneur, nous venons de... Amen. Amin. Le amin ou amen que la personne dit là. Vous êtes... Vous avez, you merge your spirits together. Vous vous êtes mis ensemble. Répète avec moi, mon énergie est précieuse. Mon énergie est pure. Mon énergie est unique. Mon énergie est sacrée. Khadija, you're still gonna grow, yeah. You're still gonna grow. Je vous ai demandé de vous désabonner. Pour ceux qui ne connectent plus, si vous ressentez que je vous énerve, déconnectez-vous. Quand vous allez quitter de ma page, vous allez tomber sur la personne avec qui vous vibrez maintenant. Oui. Mon énergie est sacrée. Allez-y, répétez le mot sacré. Il y en a ici là, vous avez accès directement au trône, à l'univers. Rien de ce que vous demandez ne peut vous être refusé. Et c'est comme si vous prenez quelqu'un d'autre dont l'énergie n'est pas stable ni pure. Vous entrez avec lui.
Si quelqu'un ne reconnaît pas ta valeur, retire-toi. Retire-toi. Tu n'as rien à leur prouver. Répète avec moi, je n'ai rien à leur prouver. Alex, ne me posez pas de questions. Mon direct, ce n'est pas question-réponse. Si cette personne ne te supporte plus financièrement, tu ne vas pas tomber. Tu sais ça? Si ton patron te renvoie, tu pourras finalement être toi-même. Vous êtes en ascension ces derniers jours. Vous avez peut-être rêvé d'être en train de monter à l'étage, de vous élever, montagne, un truc, mais dans le rêve, vous allez remarquer que vous passez à un autre niveau. Quand je parle, ce sur quoi tu tombes, c'est pour toi. Merci Hakim. Si tu m'écoutes, ça ne te parle pas. Je ne fais plus de lecture privée. Je vais plus faire des formations et on aura des réunions collectives. Ne me racontez pas vos rêves, s'il vous plaît. Ton rêve, c'est ta vie privée. Ne viens pas me raconter ton rêve. Ce que tu attendais depuis, le temps est arrivé. Tu sentais que quand on secoue le champagne, après on ouvre. Qu'est-ce qui se passe? You're popping champagne. You're gonna finally make your dreams come true. I can make me happy, make my dreams come true. There's nothing that I wouldn't do. Go till the end of the earth for me to make me feel my love. Et on va vous guérir avec la musique. Beaucoup de soul, de jazz. Vous mettez, vous écoutez. Ils vont vous guérir avec la musique. Et quand vous mettez la musique, parfois tu vas ressentir ça, tu vas sentir un truc qui chante dans ton esprit. Prends YouTube rapidement, tu fais jouer ça. Vous allez beaucoup vous élever avec la musique. Vous allez même pratiquer les sorties astrales accompagnées de musique. Ouais. Vous allez faire des visualisations avec de la musique.
vous allez activer vos dons avec de la musique. Ma gloire, merci. Je ne suis pas ici pour vos questions, mais... Donc, si tu poses ta question, je ne suis pas obligée de répondre. Une personne, et si tu veux entrer en studio depuis pour chanter bientôt, la porte, l'opportunité va se donner comme ça. Tu vas te lever un matin, tu vas marcher, tu vas avoir un truc. Ah, peut-être ça c'est un studio, ça va se passer comme ça. Donc le temps est arrivé, et quand tu vas chanter maximum 6 mois, tu vas finir l'album, tu vas mettre dans l'instruction pour toi: chante par plaisir. Fais de la musique qui élève les gens. De la musique que les gens écoutent et ça les transporte. Comme de l'encens qui monte. Je ne lis personne particulièrement. Si vous commencez à demander des lectures, je vous bloque. Stop à la dépendance spirituelle. Stop à la mendicité spirituelle. Qu'est-ce qui te fait me comprendre que tu vas prendre ton téléphone, tu vois une femme que tu ne connais pas, tu viens commencer à lui demander, je ne vous dois rien. Tu crois que donne-moi ça, dis-moi ça, ah, vous aussi. Ah, c'est la mendicité. Voilà, il y a une personne aussi, tu as fait beaucoup d'investissements ces derniers jours et tu as l'impression que ton argent va finir. Donc on me dit de te dire d'arrêter de checker ton compte bancaire. Arrête de checker ton compte bancaire. Ta puissance est passée à un autre degré, à une autre dimension. Marie, je vais te bloquer. Tu as compris? J'ai dit, ne pas écrire ses rêves ici, là. Et t'as écrit. Ok. Vous pensez que vous êtes sage? Tu écoutes mon direct, en 10 minutes, je dis 3 fois de ne pas écrire ses rêves. Tu écoutes ça, mais tu es en train de taper. Tu tapes, après tu envoies. Hey, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Ne check plus ton compte. Tu es en train de, dans cette dimension où tu es, l'argent va venir. Je vois certains, peut-être la CAF te devait de l'argent, il y a des financements que l'État devait te donner. Et tu étais éligible, mais ça bloquait. Tu ne savais pas pourquoi. On me dit qu'il y a même des argents que tu ne connaissais même pas l'existence. Ça va venir. J'ai des problèmes avec ma chaîne YouTube pendant des années. Je n'ai jamais pu avoir l'argent qui sortait de là. Un jour, je reste comme ça. La semaine là, j'ai eu au moins 3 comptes de l'étranger qui sont débloqués. Ah voilà, je sais pas, bon, j'entre dans mon AdSense. Je vois que le mois là, il m'a envoyé 2000 pounds. Je ne savais pas que j'avais 2000 pounds quelque part qui attendait. Quand tu checks, tu as des agents qui sont quelque part que toi-même tu ne connais même pas que tu es éligible. Donc ne te casse pas. Lève vite. Laisse l'autre partie là. Si
Tu ressens, on te dit, donne ici, là. Donne. C'est dur de donner, non? Tu as payé pour la lecture des cartes, je ne t'ai pas lu, n'est-ce pas? Oh, que c'est dommage, ma chérie. Je ne lis plus les gens. Si tu veux que je te rembourse, tu viens, tu écris. Tu demandes ton argent. Ok, ma chérie. Tu as compris. Si je me pointe ici 3 heures par jour, je vous donne ce que l'esprit a. Et tu m'as envoyé 20 000. Tu veux que je te lise particulièrement. On m'a dit de ne plus lire les gens. Particulièrement. Si tu penses que il faut ton argent, tu me dis. Écris, tu dis qu'elle a dit qu'elle ne lisait plus. Remboursez-moi mes 20 000. Et je t'envoie ça avec plein de fleurs. Ah, oh gosh, this is so good. This is so good. I am free. Tu vois, j'avais une nièce, quand on la lavait, elle avait les cheveux assez longs. Et quand tu la laves, tu conversais avec elle. Elle avait tout le temps à faire ça là. Et quand elle faisait ça, il avait, en faisant ça, elle riait toujours. Vous avez toutes ces sensations que cet enfant, je sais pas, c'est comme si elle se libérait de quelque chose. Ouais. Sandrine, ton énergie n'est pas encore prête. Elle dit que pour son anniversaire, on l'a un peu dépanné. Oh, Audrey, tu as très bien suivi ce que j'ai dit, non? J'ai dit que je ne lis plus les gens particulièrement. Ok, mon bébé Audrey. Ils m'ont dit que les messages qu'ils vont vous passer seront de plus en plus spécifiques dans mes directs. Bon, je ne prends plus personne particulièrement. Ce sont les instructions que j'ai reçues. Et moi, quand on me dit, je fais. I don't care. Like, quand on me dit, je fais. J'ai remarqué qu'il y avait des gens qui payaient la lecture et qui ne regardaient plus les vidéos. C'est très dangereux. Rien ne marche pour toi. Je suis le commissariat. Tu viens te plaindre chez qui? Ah, attends, je te bloque. Rien ne marche pour moi. Tu viens me dire, je suis ta mère, mamie. Tu me connais. Oh, genre. Tu ne me connais pas. Tu viens te plaindre chez moi. Comment? Comment on fait les choses comme ça? Hum? Tu appelles quelqu'un. Tu as payé la consultation depuis un mois. Tu te laves au sel? Non. Est-ce que tu suis mes directs? Non. Je ne sais pas, vous négligez tellement ce que j'ai à vous dire ici. Pourquoi? Pourquoi? Hein? Parfois, quand ils regardent mes vidéos, si je passe 3 heures, je fais la canalisation d'énergie au moins pendant 2 heures. Tu écoutes, tu vas dire que ah, tout ce qu'elle dit là, moi, il veut ma part. Je dis ma part. Non à la dépendance spirituelle. Ta cam blanche, bonjour. Bonsoir, bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Can make me happy, make my dreams come true. There's nothing that I wouldn't do. Go till the end of the earth for me to make me feel my love. Je vous ai dit qu'on était, on devient égoïste, n'est-ce pas? To make me feel my love. No doubt in my mind that you belong. I can make me happy, make my dreams come true. Nothing that I will do. Go till the end.
quand on grandit dans une famille chrétienne, ouais, on cherche malheureusement à vouloir faire plaisir à tout le monde. Parce qu'on dit, oh, c'est comme ça que Dieu va nous aider, va nous aimer. J'ai fait le dépôt pour ma lecture il y a 2 jours. C'est pas grave si vous ne faites plus les lectures. Richement, richement, richement. Tu n'as même pas besoin de dire que tu as fait un don. Dans le spirituel, rien ne se perd. Le jour où j'ai compris ça, rien ne se perd. Supposons, j'étais l'autre jour, parce que les œuvres caritatives qu'on fait, on est tendu ça au Gabon. Donc j'étais l'autre jour dans un resto avec un ami, on mangeait. Bien sûr, on mange au restaurant. Ok, je blaguais seulement. Donc, un jeune homme va, on est parti manger la viande de mousse. Donc, le jeune homme vient, il dit que voilà, il récolte les dons pour l'orphelinat arc-en-ciel, un truc comme ça, Libreville, ou Samaritain ou arc-en-ciel. Je ne sais pas, mais j'ai eu le feeling que cet homme-là était un escroc. Donc, mon ami lui a donné de l'argent. J'ai regardé le jeune homme, j'ai dit que si tu prends ça pour aller escroquer, si c'est l'escroquerie, ta malédiction va venir sur toi. Il était là, j'ai vu. J'ai regardé, j'ai ri. Même si quelqu'un t'a escroqué, tu as semé. Un jour, tu vas rester, quelqu'un va te faire un bien comme ça. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Non, baby girl, c'est ton argent qu'on avait pris. Oui. Tu as vu quelqu'un, tu l'as aidé avec ton bon cœur, avec vraiment toute ta bonne volonté. Tu as prié pour lui, fais ceci, le conseiller, fais ses papiers pour qu'il vienne dans ta ville ou dans ton pays. Quand la personne arrive, l'énergie que tu as mis sur la personne, là, c'est pas perdu. Ça ne se transforme même pas. C'est une semence qui va revenir vers toi. Quand on dit que cette chanson, c'est trop léger. C'est trop léger. C'est léger. Ce que tu as libéré, si l'univers connaît mes cheveux, quelle est la dernière égratignure ou la dernière blessure que vous vous êtes faite? C'était où sur votre corps? Quand tu t'es blessé, n'est-ce pas, ça a guéri? Ça a guéri, non? Tu t'es blessé, tu as guéri? Si l'univers connaît que ta blessure a besoin de guérir, tu crois que l'univers ne connaît pas aussi la personne-là qui a pris ton argent? T'en fais pas. Ne t'en fais pas. L'autre jour, quand j'enseignais, je vous ai parlé de l'importance de libérer les gens qui vous doivent. Parce que ces personnes vous maintiennent dans une énergie. Moi-même, de mon côté, j'ai pardonné à quelqu'un qui me devait beaucoup de millions. Sûrement, la personne s'est dit, ah, elle est bête. La spiritualité, c'est par révélation. Si tu veux savoir les qualités d'une sirène, attends, elle te bloque. Ne pas me distraire. Esprit de mendiant.
Libérez-les. Il y a une personne sur qui j'ai fait un traitement l'année passée. Et la personne voulait tellement me faire concurrence. Je ne sais pas pourquoi la personne m'avait approché pour qu'elle travaille sur elle d'abord. Quand la personne est venue chez moi, elle a failli faire des problèmes avec mes employés, entre moi et mes employés d'abord. Elle a laissé des séquelles de problèmes et est partie. Et c'est quelqu'un que généralement, quand je viens de travailler sur elle, elle paye vite. Genre, maximum 3 semaines, quand son salaire arrive, elle paye. Quand j'ai remarqué qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas, je lui ai demandé, bon, on peut se parler, oui. Quand elle m'a expliqué son mécontentement, je lui ai dit, tu sais quoi, vraiment, je crois qu'on ne va plus travailler ensemble. Elle a dit, ok. Elle a traîné ce qu'elle devait traîner. Non, je vais payer, Moi, j'ai dit à mes employés que contactez-la, dites-lui, je ne veux plus son argent. Je ne veux pas qu'elle reste, elle pense que je dois lui donner son argent. Je ne veux pas moi-même non plus qu'on reste, on dit qu'elle nous doit de l'argent. Je veux couper cette corde spirituelle-là. Parce qu'à tout moment, votre énergie se régénère. Ce ne sont que les choisis, les élus parmi les élus qui vont comprendre. Ce ne sont que les rois des rois qui vont comprendre. Ce sont des personnes qui sont capables de tout laisser. Il construit la maison avec toi. Il fait 15 ans de vie commune. Il te laisse tout. Il prend son sac. Il sort de là, il te laisse le reste. Parce qu'il sait qu'il peut construire encore tout. Pas n'importe qui a l'énergie, là. Pas n'importe qui. C'est une autre dimension de puissance. Maintenant, il y a des personnes. Il y a une dame qui a prié pour moi l'autre jour. J'ai ri. Quand vous avez vos révélations sur moi, gardez-les pour vous. Elle m'écrit le matin. Je lui ai donné ma ligne privée qu'elle m'écrive dessus. Hop. Me lève, j'écoute le voice. Je n'ai même pas répondu. Parce que vraiment, je sais pas ce qu'elle avait dit. Voilà, le Seigneur m'a dit de prier pour toi. J'écoute le voice. Oui, je déclare, tu es béni. Je déclare, je déclare. Je dis, ok, j'écoute. I'm listening. Ok, I'm listening. Maintenant, elle dit à la fin que, comme moi je prie pour toi comme ça, moi-même je reçois ceci, ceci, cela. No comment. Tu veux prier pour moi, prie. Mais si tu viens pour attendre que, ok, comme j'ai prié pour toi, moi-même je reçois ceci-là. Laissez-moi. Potakana. Vous avez suivi, non? Parce que pourquoi moi ils disent amen à ta prière? Ta prière doit. Il y a les prières basses, il y a les prières hautes. Vous priez encore pour pouvoir payer le loyer. Je vous ai déjà dit que quand tu es quelqu'un que ton énergie est high, tu n'as plus Seigneur, oh, que aide-moi à payer le loyer si. Amen. Oh Seigneur, ouais, permets-moi d'avoir le billet d'avion pour partir, comme j'ai eu le visa, que je puisse voyager. Amen. Et même mes prières, il y a des prières que je ne peux même pas dire sur certaines personnes. Quand il prie, il va commencer, il va croire que j'ai le mauvais cœur. C'est pas parce que tu es venu me dire que oh, prie pour que mon mari revienne. Prie pour que moi je vais ouvrir que son mari revienne. Non. Je prie que tu sois ta meilleure version. Que ta mission te soit révélée. Que ta puissance s'active. Je veux mon mari, c'est quoi? Je veux moi le plantain demain soir. C'est ce que toi tu voulais. Mais je ne vais pas me baisser pour prier ça pour toi.
Guy, ce n'est pas un châtiment. On vous dit de vous élever spirituellement. Laissez votre esprit grandir. Je suis partie une fois inaugurer le magasin de quelqu'un, bénir son magasin. Quand j'arrive, je vois le magasin. Moi, je voyais, je disais que tu n'as même pas fait 6 mois ici. Maximum, dans 6 mois, tu auras déménagé pour aller dans un truc plus grand. La personne croyait que je faisais une prière de manque de respect. Je ne vous verrai pas comme vous vous voyez. Il y a des moments où tu restes dans ta meilleure prière. C'est « Oh Seigneur, fais que l'homme s'y m'épouse. » Un an plus tard, tu regardes en arrière et tu dis « What the WTF, qu'est-ce que je pensais ?» Demandez votre prière la plus haute. Un autre message pour toi. Tu es en train de devenir. Tu te transformes. N'essaye pas de devenir. C'est un peu comme une personne qui a 35 ans et elle essaye d'avoir 36 ans. Qu'est-ce que toi tu lui dirais? Mais tu es en train de devenir. Tu es en train de devenir l'anti-fils. Je te bloque, ok? En souriant, bien sûr. Il me dit, laisse la prière, je souris. Tu es qui? Tu fais quoi dans ma vie? Hein? Tu m'apportes quoi? Tu m'apportes quoi? Oh, Hakabum. Et son moi. Tu es en train de devenir. Et ton devenir demande beaucoup d'exfoliation. You're going to shed some skin. You're going to do a lot of skin shedding. Tu vas perdre beaucoup de peau, des peaux mortes. Ça va quitter. Allez, voilà les prières. Lisez, écoutez. Telle est la volonté du Dieu Tout-Puissant, qu'il te donne encore plus de force, Seigneur, toi qui connais la pensée de tous faits. Je ne sais pas pourquoi ta tête, j'ai lu ça, c'est entré dans ma tête, pourquoi? Le premier élément de la prière, c'est de se raffiner pour savoir parler. Il y a des prières que vous faites, vous embrouillez les gens. Tu comme ça là? Dès que tu finis, on est confus. On ne sait pas quand tu as fini, on ne sait pas là où c'est fini, on ne sait pas là où il faut dire Amin. C'est une chose que m'écouter vous fait faire. Quand vous m'écoutez, vous devenez clair. Tu n'es plus dans les. Tu deviens clair. Tu rencontres même un homme comme ça, il fait comme ça là, tu dis que c'est quoi? C'est quoi? T'as comme ça là. C'est un honneur pour vous de tomber sur ma page. C'est un honneur pour vous. Félicitez-vous. Maman, le genre que j'aime mon corps. J'aime mon corps.
Non, moi j'aime moi mon corps. Eh, pardon. J'aime. Merci pour les cadeaux. Call me. Photo Boris, comment tu vas? Photo Boris. Donc, je vais voir ce qu'ils ont dans les cartes pour vous. Attends, je vois si j'ai donné tout le message. Peut-être le prochain message, le prochain sera dimanche. Donc, arrêtez de chercher ce qui est personnel. Chaque fois que vous tombez, oh merci pour les fleurs. Oh, thank you. C'était pour mes cheveux, hein, comme pour une fée. Merci. Thank you. Ok. N'essaye pas de devenir. Tu veux m'épouser? Oh. Et tu es chiche? Hein, papa? Tu es chiche, tu veux m'épouser? Waouh! Waouh! Je n'ai même pas de temps pour te répondre. Continuons. Ah, on m'a parlé aussi de... Je dois vous parler de l'énergie masculine et féminine. Mais je n'écris pas. Il faut envoyer le cadeau. Tu peux m'envoyer, tu quittes là-bas. Tu me dis que je t'aime, je t'aime. L'énergie, beaucoup de choisies femmes, vous allez commencer à manifester l'énergie masculine. L'énergie masculine n'est pas négative. Je suis, c'est pas négatif. Parce que le féminin accepte, reçoit, mûrit, redonne. Le masculin est indépendant et autonome. Le masculin donne. Le masculin, c'est le provider. Et on vous a fait vous sentir mal parce que vous arriviez à être suffisant. Vous arrivez à remplir votre coupe. Toute seule. Beaucoup d'entre vous, vous ne manquez pas, n'est-ce pas? Vous ne... Chez toi, ton frigo est toujours plein, ta maison, ton loyer est payé à temps, ta voiture est toujours... Ah, mais tu en as en abondance. Tu ne manques pas. Je dis que la rémercie te fatigue. Peut-être mon gars est plus jeune que toi. Que la rémercie me fatigue. Tu appelles qui remet ici là. Peut-être mon gars est plus petit que toi. Continuons. Je ne vais pas trop parler ici aujourd'hui. Tu t'es tellement comblé. Tu t'es guéri. Tu as arrêté d'attendre que quelqu'un vienne subvenir à tes besoins. Tu as rempli ta coupe.
qu'on ne te fasse pas te sentir mal. Beaucoup de femmes ici, vous êtes en train de guérir le patrimoine que vous passez à vos enfants. Et si vous observez les enfants que vous allez accoucher après 2024, ce seront des enfants qui auront une énergie différente. Les enfants de l'abondance. L'enfant qui naît comme ça, là, ses habits sont différents de pour ses frères. Avant un an, il porte déjà les couronnes sur sa tête. Des choses comme ça. Parce que sa mère a fait le travail avant de la mener dans ce monde. Donc, ne vous dérangez pas. Si on vous dit, oh, t'es trop masculine, tu es trop... On est dans l'air de cela. Énergie masculine veut juste dire que tu n'as... Il y a des femmes ici, là, vous ne connaissez pas demander à l'homme. Quand il y a... En rentrant le soir, oui, j'ai acheté ça. Oui, on manquait ça. Ça manquait, j'ai acheté. Il dit, mais tu ne m'as pas dit pourquoi. Ah, j'ai fait non. Parce que tu as une énergie qui comble les trous. Rodé, tu me demandes pourquoi je suis toujours agressive. Ça fait même parfois tu as envie de poser les questions, mais tu te dis que je peux lire et je te bloque. Oh, ouais. Je te bloque alors. Je suis agressive parce que je veux chasser les gens comme toi sur ma page. C'est pour ça. Les gens n'aiment pas quand on est direct avec eux. Tu as compris. Tu n'es pas obligé de rester sur ma page. Ouais, ne fais pas ça. Ok. Je t'envoie plein de bisous. Il y en a parmi vous, vous avez fait tellement de travail interne pour combler le manque dans lequel vous avez grandi dans l'enfance. Vous êtes en train d'apprendre à vous aimer. Si bien que quand quelqu'un arrive, tu n'attends pas quelqu'un pour venir te donner ou te faire ou bien te... Tu n'as pas l'énergie de manque. Tu n'es pas anormal, hein? Tu n'as pas d'anomalie. Tu comprends, chérie? Vous riez pourquoi? Est-ce que je ris? Regardez-moi, je suis sérieuse. Comment vous faites ça? Oh, tu m'as. Sinon, tu m'adores. Oh, je t'envoie aussi les cœurs. Tu es habitué. Il y a un petit besoin. Tu appelles le réparateur, il arrange. Tu parles de dire que tu vas courir, que ouais, pendant 4 jours, que arrange ça non, arrange ça non, arrange ça non. Tu as appris à combler toi-même tes propres besoins. Tu as appris à te guérir. Ce n'est pas négatif, chérie. Don't feel bad. Tu veux la voiture, tu fais tes plans, tu achètes ta voiture. J'ai longtemps regardé les vidéos des gens, comment le gars dit, que viens, j'ai le cadeau pour toi. Allez, attends, on va faire ça ensemble. Il amène la fille. Elle dit, can I open my eyes? Elle dit, no, wait. Ok, now you can open. Surprise! Oh, wow! You did this for me! I love you. Le jour où j'ai acheté ma première Mercedes, je suis entré dans la voiture, j'ai pop champagne, j'ai bu. Ça avait le goût. J'étais seule. Hein. Parce que le jour avec lequel j'étais à l'époque, là, il voulait que lui donne combien, c'était l'argent de ma voiture. Il voulait que lui donne ça pour qu'il achète le matériel pour faire son business. J'ai préféré acheter ma voiture. Parfois, il regarde les filles là comme ça, il dit qu'on fait comment pour être comme ça.
Je fais en français. Dites-moi si vous voulez que je fasse en français. Je fais en anglais. Je fais en français. Je vais reprendre la comédie. J'ai la comédie dans mon sang. Je vais reprendre la comédie bientôt. Vous allez voir mes vidéos de comédie bientôt. Ok. Bébé, t'as bien dormi? T'as pensé à moi? Oh, vilaine! Il y a un barbu sur TikTok depuis quelques jours là. Bébé, après dit Yafoy. Le barbu là c'est qui? C'est le mari de qui, mamie? Pardon, viens prendre ton gars sur TikTok. Pardon, attendez, continue ma chose. T'as pensé à moi? Avec son menton de Lucky Luke. Non, c'est le menton des frères Dalton. Sorel, bonsoir. Ah, les dragons. C'est le genre de gars là qui me faisait tomber avant. Le genre de gars là, tu mets le genre de gars là, tu mets un bon médecin ou un ingénieur. Moi, j'ai choisi le gars là. C'était mon goût là-bas avant. Avec une bonne barbe comme ça, que quand tu touches, quand tu es dans le lit comme ça là. Hein? Et le genre de gars là, il te donne jamais l'argent. Il te donne jamais l'argent. Et quand il n'a pas l'argent. Bon, on continue en français, non? Oui, bébé, je peux ouvrir mes yeux? Non, bébé, attends. Viens. Allez, fais attention à la marche, chérie. Bien, on y est bientôt, bébé. Non, attends encore un peu. Tu es prête? Oui, chérie. Allez, ouvre ton bandeau. Surprise! C'est pour moi, bébé! Oui, je ferai tout pour toi. Il s'agenouille. Il prend la bague. Moi-même, je sais pourquoi pour la bague. Attendez, je cherche la bague ici. Là. Attendez, fais ma comédie ce soir. Donc voilà, avec la bague. Il est sur ses genoux. T'avoir connu, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. Veux-tu m'épouser, Marielle? Voilà, Marielle. Oh my God! Heureusement que je n'ai pas les voisins. Statue comme ça là, tu dis qu'on fait même comment pour que le genre de gars s'y vienne donner la bague? Après tu regardes, c'est combien de carats qu'il a même donné? Moi j'ai pas acheté même plus que ça. On t'a déjà offert la bague de fiançailles, tu as regardé comme ça, ça t'a énervé. Il a acheté ça à combien? 45 000. Tu pas acheter le bijoutier. Tu dis que la bague, ça coûte combien? On te montre ça. Tu es déçu. Que donc, c'est la bague de 45 000 que tu as vue pour moi. Tu dis ça dans ton cœur, non? Quand tu arrives devant lui. L'énergie
masculine. Te fait comprendre en fait que c'est un peu comme une fille qui est la fille d'un riche, d'un président de la République. Par exemple, ma petite sœur Brenda. Moi, j'ai dit à papa Paul que je veux pas que tout le monde sache que je suis sa fille. Donc, Brenda est restée, moi, je suis partie. Je me demande toujours, mais je ne sais pas qui aura le culot de dire qu'il veut épouser Brenda. Ta bague, c'était de la veille. Ouais. Alors, ne me fais pas rire ici, là. Elle a tout, cet enfant. Tu m'avais une impressionnée avec quoi? En fait, c'est parce que vous n'êtes pas dépendante qu'on vous insulte. Je veux faire ma chose, je fais non. Pourquoi je dois forcément te demander pour que tu planifies avant de trouver l'argent de ça? Si je sais que c'est l'un des mauvais côtés de la spiritualité. Quand tu apprends à te connecter à l'univers, tu vas avoir des problèmes avec ton gars. Ma copine veut le iPhone 13. Moi, j'ai le iPhone X. Elle me demande, je ne peux pas. Elle part, elle fait ses tours à l'univers, elle fait ses libations, elle fait sa méditation, ses manifestations. Elle reçoit l'argent en 3-4 semaines. Elle part, elle achète son téléphone. Mamie, tu dois choisir. Soit c'est le plantain, soit c'est les manifestations. Tu choisis quoi? Tonton Guy. Seigneur Jésus. Tonton Guy. Je ne vais même pas commenter. Bonsoir, Tonton Guy. Merci. Merci, Tonton Guy. La manifestation a une vitesse. Ça a le goût. En fait, tu as compris que je ne peux me dépendre de quelqu'un. Les moqueries que j'ai subies là, c'est fini. Je veux, je connais vers qui partir. It's just a matter of time. C'est juste le temps. Just give me some time. C'est comme des escaliers. Chaque jour, tu montes seulement. Après, tu dépasses ceux que tu appréciais avant. Après, tu les dépasses. Après, tu avances encore. Ça a le goût. Le goût de chat. Sur le chemin, on va te traiter de tous les noms. J'en ai connu, hein. On m'a traité de sorcière, on m'a traité de... I don't care. Sorcière, I don't care. Donc, prochain message que j'ai pour vous, c'est quoi? Donc, vous allez commencer à accepter que vous n'êtes plus dépendant ou dépendante. Allez, je vais bloquer une personne ici. Tu ne connais pas de quoi on parle. Quand les grands se rassemblent, tu arrives, tu te tais, tu t'assois, tu mets les arachides. Voilà. Beaucoup d'entre vous,
C'est vous qui allez briser les malédictions générationnelles de votre famille. On va prendre un exemple sur vous. Regardez comment elle est devenue riche. Et tu deviens riche et tu maintiens. Ça fait 5 ans qu'on attend que tu tombes, tu n'es toujours pas tombé. Ils ont essayé par tous les coins de te coincer. That was good. Ils ont essayé par tous les coins de te coincer. Le coin ne t'a pas coincé. Dis que je suis incoinçable. Même comme ça n'existe pas. Allez-y, je suis incoinçable. Parce que moi-même, je suis le coin. On ne peut pas coincer le coin. Hein? Votre troisième œil est en train de s'ouvrir. Vous êtes en train de découvrir des choses que vous connaissiez depuis des millénaires carrément. Il y a des personnes ici, vous êtes des réincarnations. Vous êtes à votre 936e vie. Ça doit résonner à quelqu'un, avec quelqu'un. 936e vie, 904, 936. Vous êtes des anges terrestres. Et c'est quand vous aidez les gens que votre esprit, votre énergie s'ouvre. You feel like you got wings. C'est comme si vous aviez des ailes. Je vous fais un peu de lecture de cartes avant qu'on se sépare. Vous allez avoir beaucoup de prémonitoires, les rêves prémonitoires la nuit. Beaucoup. Écoutez mes vidéos quand vous en avez l'opportunité. Vous avez suivi? Ne cherchez pas à me parler. Si ce que je dis vous parle, c'est bien. Vous avez l'option de prendre des formations. Consultation, je n'en fais plus de privé. Ni de lecture, ni de consultation privée. Quand je parle, venez écouter ici, là. Tu t'inquiètes beaucoup. Plus tu t'inquiètes, plus ça ferme tes pouvoirs. Beaucoup voyager, ton chakra de la gorge va s'ouvrir. Tu veux ouvrir la quincaillerie, tu vas me demander, je suis pas ton guide papa, si c'est une femme ou un homme. I am not your guide. Tes guides sont invisibles. Je peux être ton guide physique, mais parle-leur. Je vois quelqu'un ici là qui tu t'inquiètes beaucoup. Vous allez sur le lien qui est sur ma page si vous voulez faire des dons là-bas. Pendant que je lis, ça vous parle ou pas de faire des dons. Ne me cherchez pas à me parler. Voilà. Vous avez PayPal, vous pouvez payer par Momo. Il y a le lien de Momo là-bas sur la page. Bon, on continue. Tu t'inquiètes beaucoup et ton inquiétude bloque ton avancée. Peut-être ton mari va voyager, tu vas te retrouver seul pendant. Voilà, tu vas te retrouver seul la période-ci. Pardon. Tu vas te retrouver seul. Parce qu'il y a un message, un shift que tu vas connaître. Beaucoup de tes rêves, moi te parler beaucoup dans les rêves, il faudra que tu les notes. Tu es comme le pop-corn. On t'a beaucoup chauffé. Et là, tu es en pleine éclosion. Écris ici, je suis en pleine éclosion. Tu vas. You're gonna pop. Ok. Vous avez traversé beaucoup de nuits noires de l'âme. Beaucoup de dépression et tout ça. T'es vraiment énorme sur toi. En fait, tu essayais de porter les gens sur toi et là, ce soir, tu as pris la décision de les libérer. Oui. Il y a des personnes avec qui tu dois faire peut-être une ou deux journées sans parler. Si tu veux, tu leur dis que ton téléphone était gâté. Ça ne va pas, tu les bloques carrément. Ouais. Il y a des incantations qui étaient sur ces personnes qui venaient sur toi. Spell works. Toi, tu as déjà fait le travail pour ta part. Et tu as voulu porter un fardeau qui était trop énorme venant de cette personne. Et le truc, c'est que là, c'est un peu comme quelqu'un qui veut se noyer. Les gestes de la personne te noyaient. Tu partais pour sauver la personne, mais ses gestes te noyaient.
Il faut que tu te retires. C'est pas tout le monde qu'on sauve. Vous avez aussi vos anges qui vont beaucoup s'activer ces temps-ci. Vous aurez l'impression qu'on vous parle dans le sommeil. Ce sera très vrai, très vif. Like really, really accurate, you know, like. Les idées de business aussi. Confirmation d'idées de business. On va beaucoup te parler. Tu vas savoir qui tu es. Mais c'est tant mieux pour toi, ma chérie. Je ne parle pas à quelqu'un ici en particulier. Garde ton calme. Ne panique pas. Ne va pas devant les gens parce qu'apparemment, tu es quelqu'un que... Tu as des dons, mais tu pars toujours vers les gens qui ont les dons comme toi pour demander leur confirmation. Donc, arrête de courir dans tous les sens pour demander aux gens. Voilà, quand il parle, voilà quelqu'un qui a dit qu'il est garé. Tu m'as vu dans ton rêve, j'étais enceinte. Oui, c'est l'année passée que j'ai accouché. Ok? C'était l'année passée. J'ai accouché un beau bébé, un joli garçon qui était tout brun comme ça. Donc, merci d'avoir partagé ton rêve avec moi. Beaucoup d'entre vous, on vous a toujours mis à l'écart. Ok? On vous a mis à l'écart comme des black sheep, comme des bêtes noires ou isolées de la famille. Merci Kalim, Kalikanga, merci. Et on vous a traité comme ça parce que ces personnes ont vu vos pouvoirs et il y avait beaucoup de jalousie. Ils étaient jaloux de vous. Donc ce rejet que tu as ressenti, c'était du rejet de jalousie. Merci Harley. Donc là, vous êtes en plein éveil. Dans le rêve, on va beaucoup vous parler. Tu auras l'impression qu'il y a quelqu'un qui t'appelle, qui te parle, qui t'appelle. Oui. Généralement, 2h, tu vois, 2h38, 3h44. Voilà les heures auxquelles tu vas souvent te réveiller. Tu vas ressentir la pression que les gens te donnaient dans ton environnement avant. On me dit que tu ne pouvais pas t'occuper de ta mission parce que les gens qui étaient autour de toi étaient comme des sangsues. Ils suçaient beaucoup ton énergie. Or, tu es appelé au peuple. You have a big mission on the earth. Tu as une grande mission pour d'autres personnes. Donc, quand tu te réveilles, au lieu de prier seulement, écoute et tu notes. Donc, tu vas te sentir plus heureuse que la norme. Et quand les gens vont encore essayer de te faire, peut-être quelqu'un toute la journée ne t'appelle pas, croyant que tu vas dire, oh, pourquoi tu ne m'as pas appelé? Tu n'auras pas mal. Peut-être ton mari te parle mal en espérant que ça va te toucher comme d'habitude. Rien. Agnès dit que c'est comme si c'est à elle que je m'adressais. Je vous ai dit que mes lectures, je ne lis plus personne en privé. Je lis maintenant, ça c'est mes nouvelles instructions. Même si tu as déjà payé. Je lis ici, là tu écoutes. Ce sur quoi tu tombes, c'est ton message. Si ça te parle, tu veux faire un don, tu fais. Si tu ne veux pas faire, il n'y a pas de souci. Mais je parlerai maintenant tout ici. Voilà. Je ne réponds à aucune question, Ismène. Je ne suis pas ici pour répondre à tes questions. Donc, beaucoup d'entre vous, vous avez le don du courage. Donc, je sens cette joie et le courage. Genre, tu es plus heureuse que la norme. Et ta peau. Ta peau va rayonner plus que d'habitude. Va briller plus que d'habitude. Tu es en train de recevoir aussi le don du courage.
Tu es en pleine résurrection. Les choses qu'on t'avait mis en stand-by depuis, les papiers qui dormaient. Checkez votre email pour les papiers. Checkez. Le dossier qui dormait là. Il y a beaucoup de trucs qui dormaient qui vont être ressuscités. Beaucoup de paperasse, beaucoup de procédures. S'il y a un email que tu checkes généralement, il faut le checker à nouveau. Bon, on va faire les lavages à distance, là, ce sera le premier comme prévu. Donc, tous les travaux à distance, ça se fera toujours. Les choses, seules choses que je ne ferai plus, ce sont les lectures privées. Ma gloire. Il y a des applications ou des procédures, des trucs que tu avais demandé. C'était en stand-by. Ça va ressusciter. Il y a les papiers que tu as perdus depuis 7 ans. On va te donner ça cette année. 4 et 7. Ta gorge aussi est en train de s'ouvrir énormément. Les voyages. Tu seras en mesure de voyager avant le mois de juin. Tu manquais les sous pour payer le billet d'avion. Malgré le fait que ce sera la période pleine ou bien la période haute, tu vas trouver le ticket. Ça fait longtemps que tu n'es pas reparti au pays. Avant juillet, tu auras la possibilité de revenir au pays légalement. Tes dons de guérison que tu avais cachés vont s'ouvrir. Et cette fois, tu n'auras plus peur. Voilà, on est en train de te libérer de l'énergie. Il y avait comme une sorte de courant électrique négatif. Chaque fois que quelqu'un voulait savoir, voir qui tu es, toi-même tu avais peur, tu te recroquevillais. Donc là, tu vois, il y a le courage qui est en train de venir. C'est comme une notion de courage. Darwin, merci, qu'il en soit ainsi. Donc pendant mes lectures, vous vous reconnaissez, c'est tout. Donc, pas de lecture privée. Je ne fais plus de lecture privée. Vous verrez aussi beaucoup d'heures miroirs, beaucoup de synchronicité. L'autre jour, j'étais sur l'autoroute, je revenais de l'aéroport. J'étais au téléphone et puis... Je vois l'autoroute 1344. Je suis encore au téléphone. Ce qui m'a marqué, c'est que je me suis dit, si j'enlève 3, ça fait 144, non? Je suis au téléphone et je suis en train de me dire ça. Et je tourne les yeux sur le tableau de bord. Il est 13h44. Donc, vous aurez des synchronicités. C'est pour vous montrer que vous êtes aligné. Vous allez aussi recevoir beaucoup l'envie de reprendre ta spiritualité. Ça va se couronner par l'argent. Beaucoup d'argent arrive. Voilà les heures miroirs dont on parle, 21h21. C'est pas par hasard que c'est à 21h21 que je vous parle des heures miroirs. Et que je vous parle du succès et d'argent juste après. I'm always on point. Come on. Period. Yes. Yes. J'ai envie de faire prendre ma chaise, cela je roule au milieu de la route, ça fait pi. Il y a quelqu'un qui doit faire un bonjour ce soir. You need to play a little bit. Yes, just a little bit. Oh.
Ok, c'était tout pour ce soir. J'ai longuement parlé. Ceux pour qui ce message était, les choisis. Je sais qu'il y a encore une petite partie de toi qui doute que tout ce qu'elle a dit là, ce que tu écoutes, ce n'est pas par hasard. Absolument pas par hasard. Parfois, tu dis que ouais, pourquoi mes anges ne me parlent pas? Ce n'est pas par hasard. Ceci, c'est exactement dans ça que tu es, en ce moment. Donc, reçois l'abondance qui va accompagner cela. Vous allez aussi ressentir une très forte connexion avec Jésus. Très, très forte connexion. Don't know why I've been born. Don't know why. Mettez la bonne musique que vous écoutez ce soir avec votre baffle. Mettez la musique que vous écoutez. Tu mets ton baffle, tu écoutes de la bonne musique. Bon, Facebook, je ne peux pas faire jouer cette musique, sinon ils vont couper. Donc, si vous êtes sur Facebook, vous avez aussi TikTok. Allez sur TikTok. Je vais faire jouer. On va écouter ça et puis on va partir. On va se séparer. J'aime beaucoup cette musique. Il y a une qui a fait la capture d'écran. Quand je parlais des heures miroirs. Net, quand je parlais des heures miroirs, c'était une heure miroir. Donc, Facebook, je vais arrêter avec vous. Allez sur TikTok. Je dois écouter cette musique avec vous. C'est ce qu'on me dit de faire. Alright? Allez-y alors. Cette femme est très généreuse. Une fois, on travaillait en groupe. Elle nous a donné de l'argent pour nous encourager. Moi. C'était dans quel travail? Je donne souvent à son genre. Après, il ne connaît pas qui je te dis. On est là, c'était où? Dis-moi d'abord. Hé, hey, localise-moi. Ça, c'est les esprits des mendiantes. Esprit de mendicité, sort de ce corps. Sort de ce direct. C'était où, ma chérie? Dis-moi, là, on travaillait où? J'ai beaucoup aimé. Donc, si même si quelqu'un me voit en route, il me gifle avec l'argent. Il jette même sur moi. Ça ne va pas me surprendre. J'ai beaucoup aimé. Ah, oh, ça fait du bien. Ah. Bon. J'ai attendu que la jeune femme écrive. Elle n'a pas écrit. Dis-moi là où je vous avais donné l'argent, non? J'étais où avec vous? On était où? La SIM MTN à ma KPBM. Voilà, allez, voilà, vois-moi. Ange, où travaillez, où vendiez les sims à MTN? Ok. Donc, si tu dis que c'était moi, c'est que c'était moi, non. Est-ce qu'il avait refusé? Hein? J'aime beaucoup donner les choses aux gens, ça me plaît. J'aime. Sérieusement. Je pense que ça me rend heureuse de donner aux gens. C'est pour ça que je me pointe ici, je vous parle comme ça pendant des heures. I just love it. I love it. Bon, allez, je vais t'épouser, mais j'ai... Ah! 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 Tu veux m'épouser, tu n'as pas l'argent. Regarde comment il lit ton message, ça me choque. Pourquoi me donner... Il est même bon en plus. Hey, pourquoi tu fais ça, Wilfried? Pourquoi tu me fais mal au cœur? Je n'aime pas le mot pauvre. Hein?
Attends, il bloque un peu une fille ici, là. Avant de partir. On va suivre la musique sur TikTok. Allez sur TikTok. Tu travailles avec tes collègues. Ok. Bon. Bye bye. Bye. Bye bye. Mouah. Vous voyez, il se rappelle de moi. Hein. Il ne sait pas combien d'années. Moi, j'ai oublié. Mais lui, il se rappelle. TikTok, c'est Reine Lumière. Allez sur TikTok, mettez Reine Lumière. Esprit de pauvreté sort de ce direct. Pas de son corps. Peut-être qu'il aime la pauvreté. Tu veux se parler de son esprit, pourquoi? Ah, quelqu'un là, il te dit qu'il aime sa pauvreté. Ah, sur TikTok, c'est Reine Lumière. Bye, bye Facebook.